un 50e anniversaire entre la France et la Chine qui est basé sur les échanges culturels, mais aussi qui montrera la diversité. Diversité dans de nombreux domaines. On a évoqué il y a quelques secondes la santé, l'environnement, les échanges universitaires, l'économie, la technologie des pointes, de pointe. Tous ces secteurs, le tourisme aussi en particulier, seront traités au cours de ce 50e anniversaire, puisque nous avons reçu à ce jour, après trois petits mois, plus de 400 demandes de labellisation de France, mais aussi de toute la Chine. Donc ça montre vraiment l'élan que ce 50e anniversaire suscite. Ça commence le 27 janvier à Pékin d'abord, avec la Fondation Charles de Gaulle qui offre au public chinois une exposition remarquable sur le général de Gaulle, qui a été le premier à reconnaître la Chine il y a 50 ans. Il y aura un concert de la garde républicaine et puis aussi un événement important à Paris, la Nuit de Chine, le 27 janvier. L'anniversaire ne s'arrêtera pas le 31 décembre, il faut que ce soit le point de départ de 50 nouvelles années. Comme nous le disions tout à l'heure, il faut que les jeunesses chinoises et françaises s'emparent de ce 50e anniversaire. Elles en ont l'occasion, puisque dans les 400 événements que nous avons recensés, il y a matière pour que ces jeunesses soient présentes tout au long de l'année.